La Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine tiendra à Ouagadougou sa 38e assemblée générale. Une quarantaine de pays sont annoncés. Cette instance se propose d'explorer les nouveaux horizons de l'assurance africaine. Reportage Karim Patrick Namono. Le comité d'organisation de la 38e assemblée générale des sociétés d'assurance d'Afrique est formel. Tout est fin prêt. Du 17 au 21 février, la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine tiendra sa rencontre internationale à Ouagadougou. 40 pays sont invités et plus de 600 personnes ont déjà annoncé leur participation. Alors, le thème retenu, c'est les nouveaux horizons de l'assurance africaine. Il s'agit donc de pousser les assureurs d'Afrique à innover pour être toujours plus près de leur clientèle et des populations, pour inventer toujours des mécanismes qui permettent à l'assurance de jouer véritablement son rôle de soutien à l'économie et de protection des populations. C'est la troisième fois que le Burkina Faso abrite une assemblée générale des sociétés d'assurance d'Afrique. Au Burkina Faso, 14 pays d'assurance et de réassurance se partagent le marché avec un actif de plus de 76 milliards de francs CFA. Mais l'enjeu aujourd'hui est d'élargir le marché en prenant en compte le secteur informel, les paysans et les artisans. Si nous gagnons beaucoup de clients, nous allons diminuer nos frais de fonctionnement, nos frais généraux. Et plus nous diminuerons, plus il y aura de clients, moins il y aura de frais généraux et plus il y aura des services vis-à-vis du client. En 2013, 27 milliards de francs CFA auraient été payés au titre des dommages subis par leurs clients.